Est-ce qu'effectivement, depuis dernière rencontre d'en fait année 2023 avec CARICOM, nous-mêmes acteurs politiques, mais on ne parle pas les deux rencontres qui faites entre eux, nous, dans la même organisation, dans la même structure, soit par appel téléphonique ou bien une autre rencontre, nous faisons, on parle des acteurs et qui travaillent à la même gens. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres informelles ou formelles qui faites entre acteurs politiques, M. Balthazar? Et c'est là, et une la raison qui t'a poussé nous-mêmes, là, comme acteurs politiques, à faire sortir notre public pour nous démentir la campagne de propagande que le gouvernement a fait à travers la presse internationale et même nationale, pour te dire que lui, en contact avancé avec des acteurs politiques, n'ont pas dénié que le gouvernement a rencontré ou discuté avec nous, mais nous dit que ce n'est pas avec nous qu'il a discuté. Donc nous-mêmes n'avons pas aucune négociation, rencontre formelle ou informelle avec le gouvernement, ni même le gouvernement, et encore moins si on a entré la négociation avec. Maintenant, quelle stratégie par nous-mêmes? Bon, nos stratégies. Stratégie par nous, Magic 9, c'est acteur politique nous, nous la opposition, nous avons tant de monde qui a dirigé le pays, et comme gouvernement de transition, fait ça tout gouvernement de transition fait depuis 30 ans, c'est organiser élections inclusives et crédibles pour les acteurs politiques. OK, et Tout organiser des simplement, élections. Mandel fait ça, oui, ça fait ça tout gouvernement de transition fait. Mais créer des conditions politiques et sécuritaires pour mettre le pays en mode élection. Ce que, depuis 30 mois, ils n'ont pas voulu faire, qu'on n'y a, ils n'ont pas qu'à faire. Non, mais, je vais en parler là. Si vous comprenez bien, et nous sommes alignés nous, avec ça, gouvernement annoncé là, et par voie, par le biais de mon journal de l'Ouest, avec lui, qui soulignait que vous allez mettre campé conseil électoral, vous allez vers un changement ou modification constitution et aller vers les élections. Donc, c'est Oui, tout mais ça, et ce pour ça. c'est Nous ça sommes qu'on prêts a fait. pour aller dans l'élection. Non, mais ce n'est pas une question de nous répondre à l'élection. C'est ça tout gouvernement de transition va bien l'autre bagaille pour faire, c'est faire élection. Donc, depuis 30 mois, le gouvernement, ça a l'entête pays. Il était joint nous, c'est eux qui l'ont écrasé, il n'y a pas qu'à mettre l'autre en place. Donc, moins d'eau, il n'y a pas de vraie élection depuis 30 mois. Kounye a bagay la gâté la main, li la situation, li pa ka fè élection. Donc, gouvernement ça, j'en le comporte là, c'est, parce encore une fois, son gouvernement pa gen parlement, qui pa gen aucune instance de contrôle, même kou des comptes pas fonctionnels pour ta contrôler li. Son gouvernement gon boulevard le vendre depuis 30 mois pour être fait, ça, un gouvernement de transition, doit faire. Li pa fè. Pour y arriver dans la situation, il n'y a pas qu'à faire parce qu'il crée une situation chaotique telle dans le pays que pour y arriver, il n'est pas capable de faire élection. Si l'on suit bien là, M. Balthazar, Incrédible pour renouveler le personnel politique. Voilà. Si l'on suit bien, je vais expliquer là, la plus grosse stratégie et opposition par rapport au gouvernement sahélien, c'est ton. C'est bon, c'est magique. Qui ça en gouvernement, qui ça en opposition qu'a fait leur pas au pouvoir? C'est proposer, c'est discuter, c'est à la limite rentrer dans des négociations avec le gouvernement sur des problèmes ponctuels que le gouvernement a voulu consulter. Mais nous pas là pour nous gouverner en place du gouvernement. C'est le gouvernement qui gagne un mandat pour le gouverner, pour le diriger le pays. Et c'est ça, non, c'est ça, c'est ça, l'abattant, là, ce que le fait. Pour nous pas capable de prendre, et l'est pas bon non plus pour payer, pour nous faire, pour nous comprendre que c'est parce que pas un accord politique qui fait gouvernement, pas diriger. Non, gouvernement a dirigé pays depuis 30 mois, l'a mal dirigé, l'est tellement mal dirigé que Kounia, il vient créer une situation chaotique telle, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur le plan économique, que, ben, elle a gâté la même, oui. Donc, il pas voulu faire élection, qu'on y a, il en zone, il pas qu'à faire élection. Si on voulait le faire CEP, on va le faire. Il va le faire CEP, oui. Dans toute sorte de opposition, on doit faire là. Qui est-ce qu'on a fait là? Qui est-ce qu'on a fait?
Oui, au sortir du mairie là, et discuter, et opposition, il n'est pas là pour le diriger parce qu'il n'est pas dans le pouvoir, mais il est capable de discuter, négocier et même entrer en négociation avec Oui, les... ils sont capables Qui est-ce qu'on fait? de discuter sur des problèmes d'intérêt général et d'intérêt national. Un gouvernement capable de consulter force opposition, parce que c'est un système démocratique. Oui, un système démocratique, Magic 9, il y a des gens qui dirigent, des gens qui sont en opposition. Donc, nous-mêmes avons le rôle opposition, nous, qui est de proposer et de critiquer. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour diriger la place du gouvernement. Moi-même, nous attendons l'élection pour que nous éventuellement, prenons pouvoir si nous gagnons l'élection et arrêtons l'opposition si nous perdons. Mais Mais je cette vois pas d'alors. première, nous Je avons une vois pas là, situation monsieur Bagaza. objective magique. Comprenez bien. Nous avons une Allez. situation objective où le gouvernement lui-même, par incompétence, ni par mauvaise décision, l'a pris depuis 30 mois, il crée une situation chaotique en pays qui vient faire que le monde ne peut pas vivre. C'est ça qui est objectivement. Moi, je sortant des nouvelles, j'en ouvert et journal là, sous Magic 9. Petit journal que nous avons là, nous avons demandé est-ce qu'il y a un monde qui a dirigé le pays? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a un capitaine à bord? L'on a dit tout ça, dit. Oui, nous attendez, mais là, je vais parler à la monsieur Baltazar. Si on t'a dit, nous, il y a monsieur Damsao qui est dans l'opposition, il est confortable dans l'opposition, il est dans l'opposition. Ça t'a répondu. Pour qui soit dit, nous, confortable là. Parce que je vais parler à la. Pour qu'ils soient dignes ou confortables, puisque nous, l'opposition, il y a des gens qui disent, Oui. c'est pour dire que le monde qui a dirigé le pays depuis 30 mois, il a mal dirigé le pays, et malgré qu'il a mal dirigé le pays, il y a des partenaires internationaux qui disent, c'est yo-yo, vous voulez. Parce que, avant, on s'est parlé de déclaration de Mme Salvador. Donc, il y a une sorte de entente entre les gens qui ont dirigé le pays à mal depuis 30 mois et les partenaires internationaux qui disent que vous voulez malgré, vous n'avez pas qu'à diriger le pays, vous montrez que vous n'êtes pas capable, mais les partenaires internationaux disent que c'est vous voulez. Et nous, en Donc, opposition, nous, impuissants face à la réalité, ça? ce n'est pas que nous sommes impuissants face à la réalité, ça, non. Donc, est-ce qu'on est population? Et est-ce que la population, les citoyens, l'ensemble des citoyens, ils ont lagué quoi, résigné pour et face à la situation? Non. Bon, mais évidemment, résistance population, capacité de résistance, acte de résistance, la prend plusieurs formes. Mais pas grand-rien qui dit, qui montre que la population haïtienne acceptait, tolérait ça qu'a fait là. De bon gré, yo capable de forcer yo, mais yo pas accepté. Et en ce sens-là, nous-mêmes, comme responsables politiques, nous à l'écoute, nous avons observé et nous mettons nous disponibles pour nous accompagner pour la population dans toutes les revendications que l'a fait pour changer soli et pour transformer ça qui a fait là, pour, de manière à ce que pour le monde qui vit dans le pays et pleinement. Ok. Au sort de là, M. Balthazar, l'idéal, c'est que pouvoir de transition qu'il a, dans une ou deux années, il a organisé l'élection, ça qui n'a pas fait, n'a plus passé 2 ans et demi, ça qui n'a pas fait, pour qu'il ait capable de renouveler la classe politique là, remettre l'institution démocratique et camper encore, ça n'a pas fait. Et là, on se souligne comment il a été fait, il n'a pas fait, et qu'il est venu toujours dans cette situation-là, il n'a pas capable de faire. Yo pas capable de faire. Et là, qui ça, c'est nous-mêmes qui sommes en opposition, nous sommes capables de faire bouger. Faire. Oui, yo pas capable de faire. Moun sa yo, Jean paye à yé la mer. Jean yo pas capable de faire. Moi, je te donne des questions, des petites coupures. Ok, nous constatons qu'il n'y a pas capable de faire. Là, qui ça, c'est nous-mêmes qui sommes en opposition, nous sommes capables de faire bouger la ligne. Bon, bouger les lignes, c'est nous tous, on pensait que nous tout le monde là opposition. Unanime à dire que le gouvernement, ça, pouvoir, ça, qui consommait l'équivalent de 3 accords politiques, troisième, non, lui dit tête, que le 7 février, c'est fin période de transition, non, faut le transmettre pouvoir, bah, on l'autre équipe monde. Donc, seule bataille politique, tout le monde,
l'opposition, c'est concentrer nous sur ce fait politique qui est que obtenir le départ de ce gouvernement et le 7 février et mettre en place un gouvernement de consensus en place qui fait obtenir par quel moyen qui inspire confiance. Hein? Pardon? Par quel moyen? Bon, par quel moyen, et ça, c'est avoir, et c'est pas moins. On m'a dit par quel moyen, c'est l'ensemble des forces politiques et sociales et du pays qui a déterminé moyen par lequel il a pu remplacer un gouvernement qui n'a pas bâillé résultat et qui n'a pas bâillé résultat et qui montrait incapacité pour les gouverner pays, quoi, par quel moyen n'a pu remplacer lui. Ouais, bon, ces 35 dernières années, et population haïtienne a montré à plusieurs reprises capacité lui pour retourner des situations qui paraissaient inespérées. Dernier jour, ça, voilà, nous avons des mouvements de protestation qui a fait dans les villes de province et dans la capitale là, manifestation pour Ariel Henry aller, etc. Et là, ils ont mis étiquette sous lui, comme quand d'ado, c'est ancien commissaire de police Guy Philippe, et tout, ils ont condamné aux États-Unis qui étaient avoué le coupable dans le blanchiment d'argent pour ça qui a avec trafic et drogue qui retourne dans le pays. Donc, et mouvement ça, et on dit une révolution, etc. Mais après de tout pour Ariel Henry et aller. Est-ce que nous-mêmes, au niveau de l'opposition organisée et dans le 30 janvier, nous supportons pour ça? Magique 9, toute nouvelle, sans stress. Non. Mais groupe politique qui lance ce mouvement, il gagne. Les gars, monde pouvoir, les gars, mon seul en pouvoir là-dedans. Donc, c'est. BESAP sont sous du gouvernement lié. Moi, j'attendais que le BESAP endossé a marché avec le mouvement M. Guy Philippe lancé à main. Pour qu'ils soient pas mal des partis gouvernement, ça, pour qu'ils aient supporter au mouvement de rébellion contre le pouvoir. Donc, c'est pour question ça pour nous poser. Mais peut-être ça, moi, je dis non, que ce gouvernement comporte-t-il de manière telle que lui-même, lui mettait le pays à longue situation de chaotique ou propre structure gouvernement en rébellion contre le Premier ministre? Oui, l'homme jeune avec ma pose la question, ça veut qu'on est assez homme jeune. Oui, l'homme constate, mais magique, là, vous me répondez, non? Son structure gouvernementale qui est en rébellion contre le chef. Ça, vous voulez vous me dire ça, vous constatez ça. Mais tout simplement, non. Ça, à comprendre, c'est parce que il y a malaise, pour ne pas dire des mauvaises gestions, qui provoquaient qu'on pousse le pouvoir en rébellion contre le chef du gouvernement. OK. Donc, c'est pour un objectivement, mouvement que on a parlé à son mouvement qui sortit le pouvoir, c'est pas l'opposition qui en sorti. Si maintenant on partit la population qui accompagne lui, parce que le besoin de sécurité son besoin national qui est exprimé à travers toutes les couches de la population, donc ce mouvement qu'a fait là, peu importe ça qu'a fait là, il partit du principe que gain ou insécurité dans le pays a que nous-mêmes n'avons pas le combattu, mais c'est normal à ce que tout le monde dans la population qui besoin de sécurité, il senti, il joue nous, il pousse un ouf de soulagement. C'est de ça qu'il faut. Okay, on ne va pas le rendre, il en dit c'est un tel. Ouais. Monsieur Baldaza, nous connaissons le monde qui a dirigé BESAP là, qui est en tête Anapla, et Jean-Tel Joseph. C'est proche, c'est président Jovenel Moïse qui débute. Monsieur Jean-Tel Joseph, c'est un membre du gouvernement d'Ariel Henry. Monsieur Ariel Henry l'a renouvelé comme directeur de BESAP. Et jusqu'à présent, il n'a pas révoqué. Tout comme Ariel Henry, c'est président Jovenel Moïse qui était nommé. C'est des faits, c'est pas vrai qu'il n'y a pas qu'on est normal. C'est son petit rappel. Tout ça, c'est des faits. Oui, même. On est.
Et il va le faire 8 ans dans quelques secondes, M. Baltazar. On va dire que M. Jovenel Moïse dit non, mais M. Ariel Henry, parce que M. Jovenel Moïse a cherché une personnalité de l'opposition modérée qui est capable de parler avec tout le monde. Il n'est pas choisi parce que c'est ses okay. amis politiques, Jovenel Moïse, non. Il l'a choisi parce que. On va poser des questions dans l'œil. On va poser des questions dans l'œil. Non, non, d'abord, c'est pour. On va te poser. Et à notre connaissance, l'MD Note, là, c'est espace politique, forum politique, que moi-même j'ai participé à la donne, qui c'est collectif du 30 janvier. Non. Là, on t'a posé une question, hein, où tu as parlé de, où tu as évoqué BESAP, où tu dis que c'est une institution gouvernementale, c'est vrai. BESAP est non et ANAP. ANAP, même nouvelle qui c'est en direction générale autonome en dans le ministère de l'Environnement. Donc, dans le gouvernement, ça, effectivement, c'est une structure gouvernementale et BESAPien. Mais là, toute source, nous parlons ensemble avec eux, souligner que BESAP livre à l'ordre dans mes Jean-Tel Joseph, qui est directeur général ANAP, et que le président Jovenel Moïse était déjà émetté. Et nous connaissons le rapport politique qui gagnait entre Jean-Tel Joseph et président. C'est ça, toute source nous dit non. Maintenant, la question de la pose avant Posda, M. Baltazar, est-ce que Guy Philippe gagnait des rapports avec PHTK ou des cadres dans PHTK? Guy Philippe, son chef de parti, il est allé à l'élection sous base et parti politique. Tout le monde connaît nos partis, ils forment mon parti. Ils vont partir les fonds et FRN, les plus le long consortium, les consortiums des partis politiques. Et bah, pour qui ça, ou voulez retirer la partie politique, vous mettez dans le PHTK. Soit peut-être des questions bien, bah, dis-moi, retirer la partie politique, non, pour mettre le nom de notre parti, on va dire, est-ce qu'il y a des rapports avec des leaders dans le PHTK? À ma connaissance, non. Moi-même qui est responsable BHTK, je n'ai pas de rapport avec ça. Mais je connais son responsable politique lié qui est dans l'élection et qui a participé à l'élection avec nous en 2015-2016, oui. Et qui était élu sénateur sous base, on va qui t'a pas prêté serment. Vous dites qu'il a participé avec nous? Oui. Pour qu'on développe ça pour nous? Oui, mais Guy Philippe, tu as supporté candidature Jovenel Moïse aux dernières élections. Ça, c'est un bagage qui est clair pour tout le monde. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement de ça dont on parlait, oui, M. Baltazar. Est-ce que rapport à ça, vous continuez avec d'autres leaders en dedans? Moi, nous, il était supporté Jovenel Moïse comme. Et c'est ça qui expliquait que et Jean-Tel Joseph est venu entrer dans le gouvernement Jovenel Moïse. Là. Mais à la mort de Jovenel Moïse, Jovenel Moïse est assassiné. Jean-Tel Joseph était lié au gouvernement Ariel Henry, qui l'a reconfirmé à son poste. La preuve, c'est que Ariel Henry débarrassé de tout le monde qui était lié à Jovenel, qui t'a pas le problème. Donc, il conservait monde avec lequel il y a des rapports et cordiaux et politiques. Monsieur Jean-Tel Joseph, est encore directeur de l'ANAP et il n'y a pas révoqué. Okay. Oui, c'est de ça. Même pas, pour qui ça, monsieur Jean-Tel Joseph, membre du gouvernement d'Ariel Henry, ou pas questionner qui type de rapport il gagne avec Ariel Henry, ou voulez à questionner rapport gagné avec le président Jovenel qui mourit depuis 3 ans. Sous tant de questions, je ne pas questionner le rapport lié avec Jovenel Moïse. Comme dit Jovenel Moïse, maintenant, votre question sur le rapport lié avec d'autres chefs de la BHTK. Non, magique. En observant les faits, nous avons vivre. Jodia, M. Jean-Tel Joseph est directeur de l'ANAP, qui a dirigé BESAP, qui est membre du gouvernement et qui, jusqu'à présent, n'a jamais. Pas inquiété par le gouvernement. Donc, il est membre du gouvernement. BESAP, qui est entré dans un processus de rébellion contre le chef
du gouvernement, M. Ariel Henry, sont ces gouvernements, ces mains droites à main avec mes gauches, pas grand-chose pour mourir dans ça moi-même. Tout à fait. Mais il faut comprendre tout que, et là, nous posons question, M. Baltazar, et merci encore pour disponibilité pour Magic 9. Nous avons besoin pour nous nuire, nous poser pour permettre de nous comprendre. Non, pas du tout, Vous avez évoqué le rapport Guy Philippe et Tégué avec leader PHTK, malheureusement, qui a assassiné Jovenel Moïse, candidat qui vient président, et rapport tout Joseph Tégué, rapport et tout est. Ça te vigné dans une sorte d'écosystème où jeune Jovenel Moïse, où jeune Joseph, où jeune Guy Philippe, et d'ailleurs, tu parles dans l'élection. Donc, question 1, c'était est-ce que le rapport ça a eu avec Guy Philippe, il toujours continué avec d'autres chefs dans le PHTK? Vous comprenez? Moi, donc, c'est pas... Non, monsieur Jean-Terre, monsieur Guy Philippe, c'est en prison, il est rentré il y a à peine un mois, fin novembre, dans le pays. Donc, on parle de Jean-Tel Joseph, le directeur de Bessap. Moi, nous, Jean-Tel Joseph est membre du gouvernement. Moi-même, moi, l'opposition. Okay. Donc, m'baoué, qui ça. Sauf si ça gêne, ou Magic 9, là, me dit, non, c'est Jean-Tel Joseph est membre du gouvernement et directeur de Bessap. Liné Baltazar, président du PHTK, est dans l'opposition à ce gouvernement. Mais c'est gouvernement. Peut-être que l'opinion oui, d'accord. Ça pas de gêne, les gens de Joseph taper oui, avec ça, c'est pas qu'on y a ça t'a bien gêne. Non. Même moi, prends pour Samier, pour Jean-Tel Joseph est membre du gouvernement et directeur de Bessap. Liné okay. Baltazar, président du PHTK, est dans l'opposition à ce gouvernement. Donc, c'est deux bagages différents. Donc, posez-moi des questions que je peux répondre qui correspondent à statut, moi, jeudi. Eh bien, où est question ça me pose là, M. Baltazar, il permet de faire la lumière pour dire que PHTK va gagner pour louer avec et Jean-Tel Joseph et Bessap, il va gagner pour louer avec Guy Philippe, tout. C'est peut-être ça et que vous avez la comme réponse. Ben oui, oui, que PHTK. L'opposition à ce gouvernement. Vous écoutez. Quand on va parler de action Bessap ap menen, moi de action Bessap ap menen, c'est une action interne à pouvoir, c'est un parti en pouvoir qui est en rébellion contre le chef du gouvernement. OK. Moi constater, mais ce faisant, les situations ça créé, c'est le gouvernement qui créé par incapacité à mettre de l'ordre dans ce pays et à mettre à fournir la sécurité aux citoyens et favoriser la libre circulation des biens qui vient faire que on besoin de sécurité qui est exprimé par les citoyens et que ce besoin de sécurité tout le monde qui projetait l'idée ou bien projetait que on baille peuple ça c'est normal pour marcher derrière et en ce sens là le mouvement que l'inscription a trouvé sa place, il correspond à un besoin que le gouvernement n'a pas cabaye. Donc, c'est le gouvernement responsable. OK. Ce gouvernement est responsable de situation que créée Kounia par le fait que Gon Mosso, le gouvernement, qui est en rébellion contre lui, par le seul fait que le pas cabaye sécurité. OK. Nous comprenons pas tout ça. C'est M. Guy Philippe qui symbolise le mouvement. Quelque part, revendication nous est rassemblée. Ça n'a rien monde que c'est M. Guy Philippe qui symbolise le mouvement, ça, comme Christian. Quelque part, revendication nous est rencontrée. Et mouvement, ça, qui est en tête, 5 condamnés devant la justice américaine pour implication dans blanchiment d'argent, donc ancien chef et commissaire policier Guy Philippe, la demande de départ et Ariel Henry, et pour même tout au niveau du PHTK, la demande de départ et Ariel Henry. Et donc là, notre cas rencontré, c'est un pile monde qui a demandé départ à Ariel Henry. Nous sommes gardés, même l'Église catholique fait sortir bon d'ailleurs c'est sur le journal où elle était publiée, a demandé gouvernement supporter l'action des gangs. Oui. Magiquement encore une fois, nous avons raison. Nous avons focus sur M. Guy Philippe.
Pour moi, M. Guy Philippe, son citoyen haïtien, qui a le droit de faire politique en pays, qui a le droit de faire responsable. Mais pour le moment, M. Guy Philippe, c'est un citoyen haïtien qui n'a jamais été condamné par la justice haïtienne. Donc, il a le droit de faire une action politique dans son pays pour au service avec des citoyens haïtiens. Donc, Kounia, situation objective qui gagne Kounia, c'est que bon, rejet général de ce gouvernement par la population, y compris par toute classe confondue, parce et ont besoin de sécurité dans le pays, hein, et que besoin de sécurité ça, mon mouvement qui cristallise le qui initie son mouvement qui l'empouvoir y aurait les BESAP, et que BESAP là lui-même l'y retrouver à travers un acteur politique, un citoyen haïtien qui est Guy Philippe. Donc objectivement, c'est comme ça bagay la yé. Donc, il y a très bien des gens qui ont des problèmes personnels ou bien des problèmes bagay avec M. Guy Philippe. C'est le bas. En attendant, situation objective pays a gagné un gouvernement qui est rejeté par l'ensemble de la population et que mon population ça a cherché moyen pour débarrasser de ce gouvernement qui pas cabale sécurité, qui pas cabale et bien-être et qui qui va assurer la libre circulation des vies et des biens. Okay. Voilà la chose. Nous comprenons l'explication, c'est peut-être des dernières questions. Puisque nous sommes au niveau de l'opposition, PHTK a demandé démission et Ariel Henry, et nous avons supporté l'autre mouvement, et qu'en fait, nous avons demandé démission à Ariel Henry. Nous avons accompagné la population dans toute forme de revendication que l'a fait pour jouer une sécurité, pour jouer une meilleure gouvernance, et pour nous capables de mettre le pays en situation pour l'élection, dont les résultats seront acceptés et par les gagnants et par les perdants. Donc ça veut dire faut que c'est des élections qui sont inclusives, qui inspirent confiance tout le monde. Nous-mêmes, l'opposition, PHTK, collectif, Front Uni, et tout l'ensemble des forces politiques, n'a accompagné la population dans toute forme de revendication que l'a fait pour jouer une sécurité, pour jouer de meilleur, pour jouer au mieux-être dans le pays, pour être à l'aise, pour vivre dans le pays. Voilà. M. Baltazar, merci beaucoup. Pour personne ne va consulter une dernière question, mais sinon, je remercie M. Baltazar pour votre disponibilité pour nous. Passons une bonne journée. Merci, magique.